drôle de bruit ce banc. Bienvenue à Guingamp, on va voir comment faire le no-foot can-can. Première étape, on va pas aller sur la rampe tout de suite. La rampe qui est là. On va d'abord le faire au sol. Bon, étant donné que vous connaissez ma chaîne YouTube et vous connaissez personnages, vous savez très bien que j'ai des manières d'apprendre les figures un peu bizarres, parce que je suis un peu bizarre. Donc ce qu'on va faire, en premier lieu, on va la prendre par terre, et pour apprendre no-foot can-can, forcément, il faut savoir faire no-foot. Donc, la première étape, c'est de faire des no-foot en roulant. Donc, essayez de lâcher les pieds et de faire ça. Voilà, alors ça paraît simple. Ça paraît simple, mais si tu n'as jamais fait un no-foot can-can ou un no-foot, bah c'est assez compliqué de récupérer les pédales. Une fois que tu as bien le mouvement du no-foot, il va falloir que tu apprennes à faire... En fait, pour le no-foot can-can, il faut pas forcément faire no-foot, tout no-foot can-can. Il faut que tu fasses lever les pieds et les envoyer. Et en fait, la meilleure, la meilleure technique pour apprendre ce mouvement, ça va être de faire... je sais même pas comment ça s'appelle. Je te fais déjà le lever de pied pour essayer de passer par-dessus le cadre. Et je reviens et je te montre ma technique pour faire no-foot can-can. Alors donc la première étape, ça va être d'essayer de lâcher les pieds sans les écarter, juste en faisant ça. Et en fait, ce premier mouvement, ça va te permettre de lever les pieds au-dessus du cadre et de pouvoir les envoyer. Et ensuite, il y a un moment, bon, je savais faire no-foot can-can, mais j'avais envie de faire pendulum. Pendulum, c'est opposite de no-foot can-can, tout no-foot can-can. Et en fait, je savais pas trop comment ramener l'opposite. Et ben, j'ai trouvé une technique un peu bizarre que je vais te montrer. En gros, je vais rouler, je vais sauter les pieds à côté de mon vélo et je vais essayer de remonter sur mon vélo. Et ça va me donner le mouvement. En gros, je roule et je fais... Et ça, bizarrement, ben, c'est un peu le même mouvement que le no-foot can-can. À part qu'en no-foot can-can, bien sûr, tu mets pas tes pieds droit vers le bas. Tu les mets un peu sur le côté. Mais bon, c'est une étape avant le reste. On va voir maintenant en funbox, parce qu'il y a une funbox en béton, autant s'en servir. La fameuse funbox de Guingamp qui est là depuis des années, que personne ne roule d'ailleurs, et qui est mieux que le nouveau parc qu'ils ont posé, bizarrement. Je préfère venir ici moi en tout cas. Oh. Et après, quand tu commences à le faire en funbox, ça va être les mêmes étapes. C'est-à-dire tu vas arriver droit et tu vas faire le premier essai en levant les pieds droit au-dessus de ton cadre, au niveau de ta selle. Et petit à petit, tu essayes d'envoyer les pieds sur le côté. Au départ, mets des prothèses fibia surtout. Et bah, si tu sens pas de le replaquer, cours à côté. Voilà. Première étape, le lever de pied. Donc j'arrive droit et... T'as vu le mouvement que j'ai fait? C'est étrange. Ça fait un peu bouger le vélo. Mais en fait, c'est l'étape avant de faire le no-foot can-can. Après que tu as fait ça, tu essaies la même chose en essayant d'atterrir à pieds joints à côté du vélo. Donc pareil, j'arrive droit. Et ça, c'est safe. Ça t'évite de niquer les tibias. Après cette étape-là, tu essaies d'être à l'aise. Une fois que tu es vraiment à l'aise et que tu sens que tu peux le faire, il faut vraiment le sentir parce que le retour des pieds est un peu plus compliqué. Il faut que tu essayes d'aller choper ton cadre ou ta selle. Histoire de faire et de tomber plus ou moins sur les pédales. Déjà, au moins, ça te donnera une idée de comment le replaquer. Et à partir de maintenant, bah, je te fais un no-foot can-can pour te montrer le mouvement. Moi, quand je fais un no-foot can-can, mon vélo part un peu de côté, c'est étrange. Après, il n'y a pas vraiment de technique particulière pour le replaquer. Il faut en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et au bout d'un moment, tu y arriveras. J'espère que ce tuto t'aura aidé et que je t'aurai donné des techniques un peu étranges, mais fonctionnelles. Et surtout, n'hésite pas à aller voir mes autres tutos. Il y a plein de tutos pour les tricks. Et allez voir mes vidéos où je ride aussi, qui sont là. Allez, bon ride les mecs. À la prochaine.